Bwa chijimu binunu bibiji ni makumia bijini binayi bandeko na biso ba wazalendo ba patriote mbote na bino banso bonane 2024. Voilà, chers compatriotes, je sais qu'il y a encore d'autres langues nationales, mais je passe directement à la langue officielle. Vous êtes déjà habitué. Et voilà, il n'y a aucun Congolais qui peut dire aujourd'hui qu'il ne comprend pas le français. C'est le premier pays de la francophonie que nous sommes. Voilà, le Congo. Alors ce soir, je vais partager avec vous les liesses de joie dans tout le Congo. Et plus particulièrement dans le Katanga, le Grand Katanga. Ce n'est pas possible. Là où le président de la République a été moins élu. Quel contraste, regardez les scènes de liesse, de joie, les foules nombreuses dans les rues. Qui fête? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, nous n'avons que constaté ce qui se passe sur le terrain, les liesses de joie, dans tout le pays. Et je vous dis, dans tout le pays. Et avant de passer à l'extrait de vidéo sur les liesses de joie, je peux déjà vous informer, chers compatriotes, que la réélection de Félix Tshisekedi à la présidence de la République a été salué déjà par certains pays d'Afrique. Évidemment, il s'agit d'une proclamation officielle, provisoire, comme on l'appelle, parce que cette proclamation sera confirmée par la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que Fox, le média FoxTime.cd nous dit ici? Le Sénégal félicite la réélection du président Félix Tshisekedi. Les États-Unis prennent note et renvoient les opposants à la Cour constitutionnelle. Évidemment, FoxTime News n'en parle pas, mais j'ai lu ça pour vous, dans d'autres médias. Il y a le président de l'Union africaine qui n'est autre que le président des îles Comores. Il a félicité le président Félix Tshisekedi pour sa réélection. Nani Lissous, Marine Le Pen, Oyo, il y a ancien parti Oyo, Babandaï Kobenga, Front National, et comment ceux qui partent, échange un combo. Donc Marine Le Pen a félicité la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi. Il y a encore Ndayi Chimi, le président du Burundi, qui l'a félicité. Il y a déjà la présidente de la Tanzanie qui l'a également félicité.
Ça va continuer à pleuvoir, comme aussi la grande salutation de cette réélection du président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa. Il a félicité le président Félix Tshisekedi pour sa réélection. Voilà! Et également, le secrétaire général de l'ONU, il a reconnu cette réélection. Alors, qu'est-ce que le président de la CENI en dit? Il dit que les candidats à cette présidentielle n'ont pas boycotté. Il n'y a aucun qui a boycotté. Donc, ils ont fait confiance à la CENI. Comme ils ont fait confiance à la CENI, alors certains ont menacé de marcher dans la rue et tout ça, c'est bien. Mais bon, c'était, excusez le terme, c'était comme des aboiements de chiens. La preuve. Jusqu'à présent, c'est très calme. La situation est très calme. Par contre, c'est des liesses de joie. Oh, par-ci, par-là, on a attrapé quelques délinquants, quelques malfrats, mais pas beaucoup. Voilà, chers compatriotes. Donc, cette élection, c'est une réussite. Globalement, une réussite. Alors, le président Antoine Tshisekedi, suite à sa réélection à la magistrature suprême de la RDC, avec mes voeux les meilleurs pour la réussite de son nouveau mandat. Ça, c'est le président Macky Sall du Sénégal. Alors, de leur côté, les États-Unis disent avoir pris note des résultats provisoires des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante, vous entendez? Indépendante. De la RDC le 31 décembre 2023, qui montre que le président Félix Tshisekedi est en tête avec une large majorité. Ça, c'est les États-Unis. Oui, ils ajoutent que voilà, ils sont conscients que plusieurs candidats refusent d'accepter ces résultats provisoires. Eh bien, plusieurs, oui, quand ils disent plusieurs, mais c'est relatif, c'est eux qui le disent. Il y a eu 26 candidats. Sur les 26 candidats, il y en a seulement 9 qui contestent. Mais c'est une minorité. Une minorité insignifiante. Il y en a 17, 17 qui ne contestent pas, y compris celui qui a été élu. Ça fait 17. Alors, nous réaffirmons que les seuls moyens de contester le résultat et d'exiger des comptes doivent passer par le système juridique et un engagement civique pacifique. Le recours à la confrontation violente ne résoudra pas les griefs, ni ne fera progresser la démocratie en RDC. Ça, c'est les États-Unis qui le disent. Ils avertissent ces 9 candidats qui s'opposent aux résultats des élections, qu'il ne faut pas recourir à la violence. Et à la Cour constitutionnelle, ils peuvent passer par là. Nous appelons les autorités compétentes à enquêter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures du code électoral et les allégations de fraude et de violence. Voilà, ça c'est les États-Unis. Oui, mais c'est complètement bête de contester, de parler des fraudes, chers compatriotes. Tout a été expliqué au départ. Le président Denis Kadima avait dit que c'est lui qui a des résultats contraires qui viennent le démontrer.
Les résultats ont été publiés bureau par bureau et affichés devant les bureaux. S'ils parlent de fraude, qu'ils le démontrent. Vous parlez des fraudes sans le démontrer. C'est vox clamantis in deserto. C'est comme si ils criaient dans le désert, personne ne les entend. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons passer maintenant à l'extrait de l'actualité telle que publiée par la RTNC. J'ai pris juste un extrait et vous allez déceler les scènes de liesse dans tout le pays. Les scènes de liesse dans tout le pays et d'une façon particulière dans le Katanga, c'est scandaleux. Bampangina Beto, c'est scandaleux. À Kinshasa, il y a eu Jibem Piana qui a fêté la victoire à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Je vais vous en montrer un extrait également. Voilà, Fatih Beton a été élu. Félicitations au président de la République ensemble avec notre chaîne TV du peuple RD Congo. Bon, la nouvelle, hein, parce que la première avait été bloquée par YouTube pour certaines raisons, le manquement au règlement. Alors, on a abandonné longtemps après, on a repris. Ça fait presque un mois qu'on a repris. Dans un mois, on est déjà à 8 000 et quelques abonnés, bientôt 9 000. Bah, c'est normal, hein. Alors, ça viendra petit à petit, chers compatriotes. Suivez. Bonne année à toutes et à tous. Ne pas renoncer aux élections par les opposants est une preuve de la confiance en la CENI. Denis Kadima l'a rappelé hier lors de la publication des résultats provisoires. Au sujet du dépouillement, le président de la CENI a expliqué, vous allez l'entendre, que l'opération s'est effectuée dans la continuité en présence des témoins. Teti Samba et Je reste au fond, j'y reviens sur l'annonce des résultats depuis le centre Bosolo Entendez Vérité. Fini le suspense, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ont livré leur secret. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est donné vainqueur avec 73,34% des voix contre son poursuivant direct Moïse Katumbi avec 18,08% des suffrages exprimés. Moment indiqué pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, de saluer l'organisation des scrutins. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Denis Kadima Kazadi s'est insurgé contre les candidats fraudeurs. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement de vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Bosolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Bosolo, en français Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. D'autres étapes à retenir, c'est la publication des résultats partiels pour les législatives nationales, provinciales ainsi que pour les élections municipales.
Cette victoire est la vôtre. Le gagnant de la présidentielle, selon les résultats provisoires, a prononcé ses premiers mots devant une foule enthousiaste venue l'écouter devant son quijé de campagne, entouré de ses proches. Félix Tshisekedi a dit ne jamais trahir le Congo. On l'écoute. Cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo. Des scènes de liesse partout à l'intérieur du pays, des débits de boissons ont fait recette jusqu'aux petites heures du matin, des klaxons des motards partout sur les grandes artères pour célébrer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Je vous emmène d'abord à la place de la Poste aussi à Lubumbashi. C'est à la grande place de la Poste, au cœur de Lubumbashi. C'est ici que sont rassemblés les fêtards venus des sept communes de la ville de Lubumbashi après l'annonce de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui succède à lui-même. 73% contre 18, ça s'est fait, disent ces hommes et femmes louchois. C'est impossible pour qu'il fasse ce qu'il veut pour 5 ans. Comme on lui a reconduit, il peut quand même réaliser ce qu'il voulait faire pour le Congo. Je sais que le social n'a pas été touché pour le premier mandat. Nous savons qu'il va le faire. On est confiant, on a toute la joie. Encore et toujours, il gagne. On gagne toujours. Le Congo va toujours gagner. Le Lubumbashi est calme, qu'on ne vous ment pas. Moi, je suis à Lubumbashi. Nous fêtons dans le calme. On est toujours, on ne touche rien, rien n'est cassé. Nous sommes toujours confiants avec Fatih. La joie est à son comble sous l'encadrement des services de sécurité, fortement mobilisés pour la circonstance. Cris de joie, chants et danses, c'est l'essentiel pour extérioriser sa joie. Les tours se passent sans dérapage. L'appel à la calmie à l'annonce des résultats, lancé par l'autorité urbaine Martin Kazembechula, est ici mise en application. C'est la salle de conférence du gouvernorat que la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a choisi pour suivre la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier en direct du centre Bosolo de Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante. Les ministres provinciaux, les députés provinciaux, les membres des cabinets de la gouverneure, ceux des cabinets ministériels, cadres et militants de l'Union sacrée de la nation ont rempli la salle aux côtés de la gouverneure pour ne pas rater ce moment historique. Avec toute l'assistance, Marie-Thérèse Masuka Saini avait gardé sa sérénité. L'annonce par Denis Kadima, président de la CENI, des résultats provisoires consacrant une victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73,34% des suffrages exprimés contre son poursuivant direct, Moïse Katumbi, qui en a obtenu 18,8%. Masuka Saini ne pouvait pas contenir sa joie. Elle s'est directement tenue debout, levant les bras en l'air, signe de victoire sous les ovations de l'assistance. Juste après, la gouverneure Masuka était amenée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial où une foule des Lualabé s'était massée spontanément pour célébrer l'exploit de Tshisekedi.
Cette foule immense réunie offre une démonstration de force de l'honorable Omana Bitika Pascal, vice-ministre au plan, qui a été parmi les acteurs éloquents dans la campagne électorale du candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à la victoire. Dans son fief du Maniema, circonscription électorale de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où on a observé une certaine hostilité de l'opposition, Omana Bitika Pascal a mouillé les maillots pour convaincre ses sympathisants à faire confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme des acquis à consolider, tels que la gratuité de l'éducation de base, la gratuité de la maternité, le 145 territoires, l'état des droits, l'équité et l'égalité sociale. La liste est loin d'être exhaustive, a souligné ses leaders et notable du Maniema, Omana Bitika. Dans la poursuite de la publication du gagnant à la présidentielle proclamée par la CENI, Bitika Pascal appelle la population du Maniema. L'UDPS a sablé à Kinshasa le champagne pour célébrer la victoire de son candidat. Le corps de l'élite scientifique du parti présidentiel s'est associé à l'événement. Regardez ces images commentées par Alain Bikay. La publication des résultats provisoires des présidentielles du 20 décembre dernier par la CENI a provoqué des scènes de liesse partout dans la ville de Kinshasa et dans certains états-majors des partis politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est le cas du corps de l'élite scientifique de l'IDPS qui s'est réuni à son siège de Limété pour célébrer la victoire de leur champion Félix Tshisekedi. À l'annonce des résultats par le président de la CENI, ces scientifiques de l'IDPS qui s'étaient déployés sur le terrain pour battre la campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, ont sablé les champagnes pour célébrer la victoire de leur champion. Lorsqu'un enfant ou un étudiant a bien préparé ses examens et raisonne ses examens et réussit avec brio, que fait la famille? La famille fête, la famille est contente, la famille est dans la joie. Notre héros du jour, notre héros d'aujourd'hui, s'est bien préparé, a fait les 26 provinces, a battu campagne acharnée. Mais la victoire de notre champion Fatshi Béton, parce qu'il a montré à tout le monde qu'il est plus populaire qu'on le croyait. Il a battu campagne, il a gagné, et là c'est la fête. Pour ses enseignants des universités, le plébiscite de Félix Tshisekedi par le peuple s'inscrit dans la logique de consolidation des acquis du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Des réactions après l'annonce des résultats provisoires, 5 ans de plus accordés à Félix Tshisekedi. Pour certains, c'est la réponse du peuple à celui venu essuyer ses larmes. D'autres encore expliquent la victoire écrasante du candidat à sa propre succession par le choix de celui avec qui il faut préserver les acquis. On les écoute. Le peuple congolais s'est choisi librement, en toute démocratie, son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été élu donc brillamment comme président de la République. Il n'y a plus de pronostic. La CENI vient de se prononcer. Aujourd'hui, nous sommes déjà un fait qui est la réélection du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République démocratique du Congo pour 5 ans qui suivent encore à la tête de notre pays. Aujourd'hui, nous disons merci beaucoup pour le travail qui a été effectué pour les membres de l'UDPS. Cette élection n'est pas un fait du hasard parce que le peuple a su comprendre comment l'homme est en train de se battre pour son pays. L'homme est en train de se battre pour essuyer les larmes de ses frères et sœurs congolais qui sont meurtris pendant plus de 30 ans avec beaucoup de choses qui nous sont arrivées sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, ainsi de suite. Tshisekedi qui avait dédié notre pays dans les saintes mains de Dieu. Et voilà, la population de Sandoa crie victoire à Fatshi Béton parce que nous sommes dans la joie. Il faut que ces pays-là, Pomboka et Zobonga, petit à petit, et l'avenir est meilleur avec Fatshi Béton, avec dans son deuxième mandat, nous irons encore plus. Je veux remercier sincèrement le président de la République qui vient de décrocher son deuxième mandat. Et nous espérons que ce deuxième mandat sera un mandat de succès
et qu'au cours de ce deuxième mandat, il va tenter de réaliser ce qu'il avait dans son cœur, ce qu'il prévoyait, mais qu'il n'a pas pu faire. Et notre candidat numéro 20, qui est aussi notre ami, notre frère, notre petit frère, notre grand frère, est l'un des élèves, des anciens élèves de Toumba, donc des internats du Congo central. Et tous ceux qui se sont retrouvés ici, c'est dans ce cadre-là que nous étions décidés à ce que lui puisse gagner. Et comme il a gagné, ça ne peut que réjouir toute la communauté, tous les anciens élèves des intérêts du Congo central. Nous sommes honorés d'appartenir à votre famille politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, qui a toujours œuvré pour le bien-être du peuple congolais face à toutes les épreuves et les difficultés rencontrées. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous garantissons notre engagement, expertise, disponibilité et accompagnement pour achever les réformes indispensables amorcées dans plusieurs secteurs de la vie nationale et particulièrement celui de la santé publique afin de renforcer l'accès aux soins de santé de qualité par tous et la matérialisation de la couverture santé universelle sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le Nord-Kivu a massivement élu le candidat numéro 20, Antipas Mbusa, a fait le travail de terrain. Il fut désigné coordonnateur provincial de la campagne Fachi 20 dans ce coin du pays. Edith Chalakatala. Après avoir mouillé le maillot comme coordonnateur provincial de la campagne électorale du candidat président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Nord-Kivu, Antipas Mbusa Nyamwisi a gagné son pari d'avoir fait que le Nord-Kivu soit acquis à la cause du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'il l'avait d'ailleurs promis. Outre Goma, Beni et Butembo, Antipas Mbusa Nyamwisi était allé à la conquête de Lubero grâce à une caravane dénommée Fachi 20, laquelle lui a permis de sillonner sans répit Luhutu, Margueria, Kimpese, Kichumbiro, Kirumba, Kanyabayonga, Kaina, Lubero Centre, Musene, Muyinga et Buyinga. Le candidat numéro 20 à la dernière présidentielle a été réélu massivement au Nord-Kivu. L'histoire enseigne que celui qui réussit à conquérir le Nord-Kivu finit par remporter haut la main la présidentielle. Et la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi en est un élément de preuve en plus. Antipas Mbusa Nyamwisi indique, non sans assurance, que la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi prouve à suffisance que le peuple congolais lui accordera également une majorité écrasante dans les nouvelles assemblées nationales et provinciales afin de lui permettre de bien appliquer sa vision de gouvernance démocratique tournée vers le Congo profond, comme en témoigne le programme de développement local des 145 territoires pour une prospérité partagée et un avenir radieux. Voilà, bomoni binomoko ndenge basali fête na grand Katanga ya koka moi par rapport ya bato ba votaki présidenté. Donc bisika mosus net ya na lwala ba bimaki na 3%, mais bomoni ndenge bazali ko sala fête. Donc et quelque chose n'est pas normal, et les kakiwana, parce que ça n'a pas de sens. Voilà la même chose à Sando, hein, avec la ministre du portefeuille, qui a fait la campagne là-bas, et la preuve, elle est là en image, hein. C'est comme s'ils avaient élu le président à 90%. Vous voyez ce qui s'y passe. Et là-dessus, chers compatriotes, nous clôturons avec Jibem Piana qui a fêté la réélection du président Tuditomba Kaja, comme il chante souvent Balola Balola. Donc, il a fêté à l'hôtel Hilton. C'est juste un petit extrait. Et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Peuple congolais, tu connais pas,
bénis le président. Et ça là qui on va voter Nani. Si vous êtes ça, on va voter Nani. Dati Bilo, on va voter Nani. On va voter qui Fachi, y'a solo, y'a solo.